Je te dis ce que c'est. C'est une photo, une sorte d'explosion de cordes de basse, de violon, de guitare, qui font comme des traits de dessin. Ils font un amas de bling-bling. Et c'est disposé donc comme un geste de dessin. Et comme juste une sorte de jaillissement, un feu d'artifice de cordes. Donc, c'est ce que c'est, puis en même temps, il y a un aspect juste un peu abstrait, ça ne représente pas quelque chose de précis. C'est donc un mouvement, c'est métallique, c'est décontextualisé aussi. C'est un peu chaotique comme plein de choses peuvent l'être, l'art, la vie, le punk. Il va falloir que tu enlèves ensuite tes souliers pour embarquer là-dessus. Et c'est ça, on parlait de mise en espace, Éloi, mais justement, moi, comme j'ai déjà dit, je me définis pas comme un commissaire, tu sais. C'est un peu l'aspect DIY, de j'organise une expo, j'invite du monde dont je trouve le travail intéressant, qui fonctionne dans la thématique. On est un, ici, deux, trois, quatre, parfait. On prend chacun notre bord. On met le doigt dans le tube. Bonsoir! Bonsoir tout le monde! Salut! Hey, salut! Salut! Salut tout le monde! Salut Daniel! Merci, salut Mathieu! Merci d'être venu tout le monde! Je suis super fatigué, mais super content de ce là. Vous avez traversé le monde, vous avez un orgueil de voir le premier show de l'organisme de création de Zoo. Première affaire, on a fait un show de pouvoir pour cette université. Et là, je suis super excité que ça se passe. On a, à mon avis, une super expo avec plein d'artistes tripants. Ça fait dans un monde pas, c'est un événement post-punk. J'ai invité Annie Bergeon qui fait des photos là. J'ai invité Anouk ici qui a fait du graphisme et qui s'est viré en mode artiste avec ses affiches alternatives à terre. Il y a Jacin qui a fait donc du papier sérigraphié, mâché et installé juste là. Jacin est juste exactement presque dans le coin de son installation. Et Mathieu Valade, qui est pas un gros post-punk, mais qui a fait une œuvre super post-punk. Avec la fameuse police Times New Roman, vous savez, c'est un classique. Là. Ça, c'est l'institution. Alors, un prof de l'Université de Chicoutimi qui vient faire un gros fuck-up ici dans l'Université de Sherbrooke. Je dis pas ça pour se prendre. T'allais dire un gros fuck-up à l'Université de Chicoutimi. Incorrect. Alors, ben, je remercie évidemment l'Université de Sherbrooke d'avoir accepté ce top de prouve que nous sommes les artistes à venir avec nos demandes de ménage, puis d'accrochage, puis de permis de guerre, puis ces affaires-là. Puis, remercie le Conseil des arts du Canada de redonner l'argent pour faire ça. Puis mon conseil d'administration qui est donc fin avec Gilles Prince qui est là, et Mathieu Gauvin qui est là, puis les deux autres ben, qui sont pas là, mais qui sont là pareil. Puis là, ben je vais arrêter de parler parce que j'ai Julie-André Tite qui est juste là, qui est en train de s'installer. Il va nous faire une performance qui va s'appeler Nature morte. Puis ben, comme je suis pas un commissaire, je suis un commissaire imposteur, je ne dirai rien d'autre. Et je vais vous laisser donc entre les mains de Julie-André Tite. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. Salut tout le monde.